Quand chaque activité que vous réalisez devient une offrande, le karma ne peut pas vous lier. L'impact du karma sur votre vie, l'impact de chaque action que vous réalisez sur votre vie, n'est pas dans l'activité que nous réalisons, mais dans l'offrande. Si vous changez l'offrande, si vous changez le contexte de votre vie, le contenu n'a aucune pertinence. Toutes les façons de vivre sont bonnes. Si tout ce que vous faites est une offrande, une contribution à tout ce qui vous entoure, si vous ne faites que cette seule chose, que ce que vous faites ne concerne pas votre personne, alors vous n'avez pas à vous soucier de la nature de l'activité, parce que l'intention ou l'offrande est établie. Une fois qu'elle est établie, le karma n'a aucun impact sur vous. Le passé ne vous enchaîne pas et ne détermine pas la nature de votre expérience. Pas plus qu'il ne va déterminer la nature de la destinée que vous forgez.